J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente ma box beauté du mois de août, Beautiful Box. Donc, il vient de la recevoir, il fait l'ouvrir. Donc, c'est parti. Présente comme ceci. Donc là, vous avez le fascicule. Donc, ce mois-ci, c'est la Beach Bay. Donc, voilà. Ensuite, les produits du mois. Derrière, vous avez toujours le tuto. Et là, ce mois-ci, ils ont fait un petit questionnaire. Quel Beach Babe êtes-vous? Donc, j'essaierai sur Insta de vous les mettre. Et je vous dirai les petites réponses et tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon Insta que je vous mettrai en barre d'infos. Il y aura le petit questionnaire. Alors, elle est comme ceci, donc c'est dans un petit sac. Du coup, moi je suis pas très fan du sac parce que moi j'aime pas les sacs en toile comme ça, hein. Donc c'est pas un truc que je vais garder. Voilà, mais on retrouve toujours donc le logo pareil que le petit livret. Voilà, mais c'est pas un sac qui me plaît. Donc c'est parti, je vais regarder ce qu'il y a dedans. C'est celui-là. C'est le shaker. Bon, il est bien, en tout cas il n'est pas cassé. Dedans il y a une spatule. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est une valeur de 9 €. 400% recyclable en amidon de maïs, réutilisable à l'infini pour préparer tous vos soins beauté maison. Donc c'est pas mal si on veut faire des masques maison ou autre. Sympa. Donc voilà, au prix donc d'une valeur de 9 €. Produit, donc je pense que ça va avec, c'est de Kimber. C'est un masque purifiant à l'arbre arbre à thé. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le masque en poudre détox à l'huile essentielle d'arbre à thé pour un teint net et une peau lumineuse. Une préparation en kit à faire soi-même grâce au shaker donc de Kimber Cosmetics. Ça a une valeur de 8,90 €. Donc voilà, c'est de la même marque. Donc du coup, voilà, ça va ensemble. Voilà, il y a juste à mettre la poudre dedans avec de l'eau, je crois. Ouais, voilà, il faut verser 60 ml d'eau. Voilà, et après, il faut mélanger et l'appliquer sur votre peau. Donc voilà, et le laisser agir pendant 15 minutes. Et après, il faut enlever le masque. Voilà. Donc voilà, à tester parce que moi j'ai jamais fait des masques maison. Donc à tester. Troisième produit, donc c'est celui-là. C'est de la marque Algology. Je l'avais déjà eu, je crois, dans une autre box. C'était une crème visage que j'avais eue. Et là, c'est du gel fraîcheur des yeux. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est tous les bienfaits de la mer dans un gel crème. Fondant concentré en charbon bleu et qui contient un complexe biomimétique, je vais y arriver, exclusif Algo 4 qui ressource la peau en continu pour lui redonner éclat et énergie. C'est une valeur de 24,50 €. Donc à tester, j'avais pas aimé la crème, donc peut-être pour les yeux ça sera meilleur. Donc je vais tester un produit, donc c'est celui-là. J'adore le packaging, il est super joli, plein de couleurs. C'est de Villa Botania, c'est une crème corps. Donc voilà. Alors, c'est une peau douce, nourrie et hydratée grâce à l'association de cire naturelle d'abeille, d'huile de jojoba et de sésame dans une crème pour le corps qui sont bons l'été. Au prix de 12,90 € sa valeur. Donc voilà, à tester. Alors moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout l'odeur. Mais à voir, à tester sur le corps. Ensuite, cinquième produit, donc c'est un petit bijou de la marque Gag et Lou. Je connaissais pas. J'aime beaucoup. Il y a un petit coquillage, je ne sais pas si vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est un joli bracelet chaîne coquillage en or, en plaqué or. Confectionné à Paris, un petit bracelet pour cheville avec le petit coquillage.
Donc voilà, sa valeur c'est de 48 euros. Ça m'a l'air un peu élevé, mais bon, à voir. Je vais l'ouvrir, je vais prendre. Voilà, il fait comme ça. Il est très joli. Voilà, pas cassé. 48 euros, ça m'a l'air un peu cher, mais peut-être, hein, vu que c'est du plaqué or. Je ne connais pas trop. Mais voilà. J'ai un petit vernis. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est un petit vernis. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est pailleté. Il est super joli. C'est de la marque Inoxa. Voilà, c'est un vernis à ongles. Donc, il est vraiment joli. Donc, moi, j'ai pas d'ongles, hein, vous voyez bien. Je dois me les faire. peut-être sur mes pieds, encore, à la rigueur. Je mettrai sur mes pieds. Il est au prix, donc, valeur de 4,60 €. Donc, voilà, c'est super sympa d'avoir mis ça en plus. Donc, à tester. Le petit sac qui coûte, du coup, 10 euros. Enfin, une valeur de 10 euros. Que je n'aime pas du tout. Voilà. Voilà pour la box du mois d'août. Je vous fais la valeur et je vous dis ça tout de suite. Du coup, la valeur de toute la box, elle est à 117,90 €. Donc voilà, ça vaut le coup pour tous les produits. J'ai testé tous les produits du mois d'août. Du coup, je vous mets les vidéos qui suivent. Vous allez voir. Du coup, j'ai testé les produits de la box, vous savez, la Beautiful Box. Donc là, c'est le gel pour les yeux. Donc du coup, c'est matin et soir. Donc il y a juste à appliquer juste ici, comme ceci, de côté. Un peu trop. Bon, ça n'a pas d'odeur, hein. Après, je pense que je le mettrai au frigo parce qu'il n'est pas, c'est pas froid, je sais pas, ni un gel, plutôt une crème, je pense. Donc voilà. Ça fait un peu froid, ça rafraîchit bien. Mais voilà, donc à voir pendant quelques jours comment ça se passe. Mais voilà, mais il n'y a pas d'odeur, donc pourquoi pas. Ensuite, on avait la crème pour le corps donc de Villa Botania. Donc on va essayer ça sur le bras du coup parce que c'est pour le corps. Donc du coup ils nous disent appliquer sur tout le corps matin et soir, de préférence après la douche ou le bain. Ne laissez pas le film gras. Merci. On a compris. Donc du coup, bah, moi j'avais déjà pris ma douche. Donc du coup, je vais essayer sur le bras. J'ai du mal avec l'odeur. J'aime pas du tout l'odeur. On dirait, vous savez, quand on est dans les hôpitaux ou autre, bah ça fait ça, ça me fait penser à ça. Mais j'aime pas du tout l'odeur. Du coup, c'est la cire naturelle d'abeille. Ah, ça doit être ça, mais je peux pas, je supporte pas du tout l'odeur. Alors, sur tout mon corps, c'est non. Celle-là, je ne l'utiliserai pas. Voilà. Du coup, ensuite, on avait du coup la chevillère de Gag et Lou. Donc, je vais l'essayer. Je vais vous montrer ça sur mon pied. Donc, c'est parti. Du coup, voilà ce que ça donne. On ne peut pas métier. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, elle est très jolie. Le fermoir, il marche. C'est franchement super. Il est vraiment facile à ouvrir, donc génial. Donc voilà, il est super joli. Il y avait le petit vernis à paillettes de Inoxa. Donc je vais le tester sur mes doigts de pied. Et on va voir ce que ça donne. Je vous montre du coup que sur le gros orteil. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, là, ça fait des petites paillettes comme ceci. Du coup, c'est transparent. Hein. Donc bon, c'est joli, mais voilà quoi. C'est mieux sur les doigts, mais moi j'ai des faux ongles, donc voilà. Mais voilà, ça reste joli. Du coup,
coup, il restait donc ces deux produits du coup de Kimber, donc le masque purifiant à l'arbre de thé et du coup avec le shaker. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Versez rapidement 60 ml d'eau avant 20 degrés. J'ai rien pour. Voilà. La température, on verra. Hein. Sur 20 g de poudre. Donc, du coup, ça c'est quoi? C'est 20 g, donc tout le sachet. Mélangez énergiquement jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et onctueuse. Appliquez immédiatement sur le visage en évitant le contour des yeux. Laissez poser 15 minutes, puis retirez le masque en une seule pièce. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Du coup, dedans, j'ai mis 60 ml d'eau. C'est pas facile parce que vous avez vu ici, vous avez les. C'est gradué, mais on voit rien. C'est pas transparent, donc on peut même pas voir combien on a mis. Et donc, bref. Donc, du coup, je vais mettre la poudre. Ça pue. Donc, on met tout le sachet. Mon Dieu. Voilà, j'ai mis tout le sachet. Et du coup, avec la pastille, hop, on mélange. Ah oui, ça fait une pâte. Oh mon Dieu. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait une pâte. Du coup, je sais pas si ça m'a fait une pâte lisse, mais c'est vraiment pas pratique pour mélanger et tout. Franchement, ouais. C'est trop petit pour mélanger. La spatule est trop petite. C'est horrible. Bon, moi, ça me fait pas une pâte lisse. Voilà. Bon, on va essayer. Bon, voilà, ça fait une pâte comme ça. Et après, il faut la mettre, du coup, sur le visage. Oh, c'est froid! Voilà. Bon, je mets ça et j'arrive. Ça fait ça. Pas du tout pratique. Ça pue. Franchement, j'ai envie de l'enlever. Mais bon, faut le laisser 15 minutes. Mais je l'enlèverai. Mais franchement, je le conseille pas du tout. Voilà. Ça, c'est trop petit en plus. J'ai du mal à mélanger. Enfin, c'est pas du tout idéal. Donc, gros flop. Donc voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous avez reçu. Si vous avez aimé cette box de mois d'août, Beautiful Box. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.